de notre établissement vont s'approcher ici. Enfin, encore une fois cette année-ci, réflexion, les moments d'évaluation, les stratégies de l'enseignement supérieur dans notre pays. Ce qu'on appelle aujourd'hui le LMD, au moment où tout s'interrompt en goût, cet orchestre est en train de réinterpréter de façon inédite. Inédite. J'espère que vous avez vu que la plupart des autorités académiques ont des cheveux blancs ou la calvitie comme moi. Ça nous montre l'aigu problème de la relève académique. Le faible financement du secteur, le déficit d'employabilité des diplômés, parce qu'il ne faut pas seulement diplômer les jeunes, mais il faut s'assurer aussi qu'à l'issue de leur formation, ils doivent avoir un emploi. Le problème de l'interface pauvre entre l'appareil productif et le système de formation, le problème des programmes ne répondant pas aux besoins de l'emploi, la prolifération des antivaleurs, ainsi que le retard à l'arrimage aux standards internationaux dans un monde globalisant et globalisé. Face à tout ce qui précède, Son Excellence Monsieur le Président de la République, un grand visionnaire s'est assigné dans le cadre des 5 chantiers de la République de donner une place de choix au secteur de l'éducation, dans lequel, comme il le disait lui-même, le 8 décembre 2010, adressant à la nation congolaise, il demandait au peuple congolais, si on ne croit pas à ses paroles, de au moins croire aux actions que l'on peut palper sur le terrain. Et ces actes sont palpables dans le secteur de l'éducation, que ce soit au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, mais surtout dans le secteur de l'enseignement supérieur universitaire. C'est ici aussi l'occasion de souligner. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs, distingués invités, je salue l'engagement du corps enseignant de redorer les blasons de l'enseignement en RDC, et remercie nos partenaires pour leur appui à la réalisation de cet objectif. Comme relevé si haut, les actions entreprises par le gouvernement visent l'amélioration des conditions de travail des enseignants de nos établissements publics et privés. À travers toutes ces actions déjà amorcées,
le gouvernement a ainsi jeté les bases du processus de revalorisation de la fonction d'enseignant et de la qualité de l'enseignement. Il va de soi que lors des prochaines législatures, l'action gouvernementale sera orientée vers la finalisation de ces processus. Pour terminer, je souhaite plein succès au président des assises et déclare ouvert le travaux de la deuxième conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire et la deuxième édition de l'Expo ESSU. Je vous remercie.